c'est parti. Bon, ça doit... Vu le coin, ça doit être un paysan. À en croire le sang et les entrailles, c'était l'armure d'un guerrier. Mais ce gros lard était plus porté sur la gnôle que sur le glaive. D'accord. Alors, jugé par ses nombreuses bosses, cette armure a dû appartenir à un guerrier. Ok. C'est parti pour le dépouillage. Un miroir. Ok. Tapisserie. C'est joli. Okay. En effet, il y a beaucoup de gnôles dans cette baraque. Un petit peu de sous. Ok. Bon. Oh, le gros lard. Ah, j'avoue que... c'est un gros lard. Qui va là? Un sorceleur. Et que faites-vous chez moi avec une arme au poing? Y'a rien à voler ici. Du calme. Je veux juste vous poser quelques questions. Tu parles pas aux étrangers. Je suis Geralt. À présent, vous connaissez mon nom. Prenons un verre, maître Gervant. On sait que les espions boivent pas. Alors, trinquons. D'accord. Drôle de personnage. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend? Bah oui. Bien sûr. Ah, il nous a dit d'interroger les étrangers. Tu tiens pas bien debout, non? C'est une impression bien. L'anneau du feu éternel? Ça doit être celui de River. Il est même pas sûr, ça doit être. Énorme. Le révérend m'envoie vous aider. Et il pense toujours à moi. J'ai un problème dans mon jardin. Je ne suis pas jardinier. Laissez-moi finir. Il n'y a pas longtemps, des plantes bizarres ont poussé dans mon jardin. Des plantes vivantes. D'abord, elles dévoraient les taupes et les insectes. Alors, où est le problème? Maintenant, elles sont hautes comme un homme. Avec des branches géantes. Le jour, elle reste sous terre. Mais j'ose pas m'en approcher. C'est une tâche indigne d'un sorceleur. Oh non, tant que ça rapporte du sous, c'est pas indigne. Hein, je vais voir ça. Ça vous coûtera 120 orins. Je vous en offre 50 orins. T'es pas sérieux, là? Buvons à notre affaire. Mais moi, j'accepte pas pour 50, non mais lol. Il y a eu des bouquins que je vends plus cher que ça, bordel. 120. Ni plus, ni moins. Yes. Je plante de rien du tout. 70 orins. Non. J'ai dit 120. Yes. Il faut vivre, boire. Allez, d'accord pour 80. Santé. J'ai toujours dit 120. Hein, mec. Tu comprends ou comment ça se passe? Je m'en fous que t'aies rien à boire, que tu puisses pas t'acheter à boire. Ça nettoie l'estomac. 100. D'accord. Et un dernier pour la route. Ah, je commence à avoir un peu trouble. Ah, super. Ah, faut vraiment que je fasse ça bourré. Diminuer les chances de toucher. Ah non, mais... Allez là. Il y a la grave de trop en fait. Ah, j'ai toutes mes lances, c'est l'horreur. Ah, c'est le bon truc, j'en peux plus. Courage, j'ai un petit peu de chaleur. C'est pas possible. Aïe. Oh non, non. Elle est où la plante? Je coupe pas moi, regarde, pas de temps. Ah, d'ailleurs c'était pas mal là. Ok. Bien chiant. Puis il faisait super jour et il m'a déjà fait passer la nuit, mais ça va quand même. Ah, il semblerait que...
avec le coin. C'est compliqué. Oh, purée. C'est abusé. Je vois plus rien du tout. Oh, la lune. Oh, y a trois lunes. Oh, c'est énorme. Je vois plus rien. Je vais passer un bon petit sabbat. Oh purée. Ah, et en plus lui il dort tranquillou pendant que moi je me bats. Génial. Que voulez-vous? Attends, j'essaie de trouver tes deux yeux parce que là j'en vois six. Énorme. J'ai tué les monstres dans le jardin. Réglez-moi. Vous voulez vos 80 orins? Lol. Et voilà. On avait dit 100. Nous avions dit 100. On avait vu. Mais j'ai une excellente mémoire. Ouais. N'essayez même pas. Ah, c'est bon, voilà. Je vous avais pourtant dit de pas les tuer ivres et la nuit. Mais non. Monsieur a insisté. Vous me faites peur. Mais je risque ma vie pour des ingrats. Je préfère oublier ça. Mais pensez à dire au révérend que je vous ai aidé. Ah, tu recouches pas, j'entends pas plus qu'à faire. Ok, j'ai réussi à gagner la confiance de Dom. Je dois parler au révérend, ça roule. Que voulez-vous? Vous êtes soldat? Pourquoi cette question? J'ai remarqué cette armure. C'était celle de mon frère. Il a combattu à Brenna. Et ailleurs. J'aime pas les soldats. Sauf mon frère, bien sûr. Du calme, je ne suis pas soldat. Que voulez-vous? Il y a des monstres par ici. Les hurlements dans le village font tourner mon lait. Rien d'autre d'étrange? Une fois, le brouillard était si épais que je me suis perdu près de chez la sorcière. J'ai vu une grande bête regarder par sa fenêtre. Et après? J'ai pris mes jambes à mon cou. Elle était aussi grande qu'un cheval. Elle crachait de la fumée et des étincelles. À plus tard. Je pense qu'il exagère un petit peu quand même. Que voulez-vous? Vous jouez au dé? C'est une vulgaire tradition païenne. Vous savez ce que c'est? Allez plutôt voir les nains. J'en dirai pas plus. Odo, visiblement vous comptiez tromper Maître Gervan. Quoi? Quand? Zoltan m'a dit que vous aimiez jouer au dé. Que voulez-vous? Bon, on va jouer au dé, hein? C'est parti. Allez, je crois que t'es naze. Je dis ça à chaque fois. Ok, deux doubles. Ça commence pas mal. Et lui, il a qu'un double. Ça roule. Allez. Je double. Je vais m'énerver. Allez, un petit brelan. C'est parti. Un 3 ou un 4. Oui. Yes. Allez, là c'est bon, je te mange tout. Yeah. Allez, mon suivante. C'est parti. Un double, c'est tout. Un double chacun. Allez, je peux faire mieux. Il a tout rangé? Il a même pas gardé son monde? Ok, ça j'en prends. Je ne sais pas. D'accord. C'est bien. Je vais chercher d'autres adversaires. Je vais chercher des adversaires plus exigeants. Ok. Bon.
Il faut que je me repose de toute façon parce que là, moi je tiens plus debout. Que voulez-vous? Donc on va faire une petite sieste. Hein. Tu vois. Et pendant qu'on y est, on va mettre des talons. Yes, yes, yes. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui nous servent là ou pas? Attaque à distance. Les dégâts dépendent de la puissance du signe. En 45 degrés, coût en énergie 15. Plus de dégâts. Attaque à distance pour amplifier le signe. Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé. D'accord. Ah, ça serait élève, apprenti, spécialiste, expert, maître, assez bon. Ok. Les dégâts dépendent de la puissance du signe. Angle 135 degrés. Je suppose que c'est oui l'angle d'attaque en fait. Coût en énergie 15. Plus de dégâts. Enchaîne, entraîne l'incinération. Ça se mange. D'accord, d'accord. Ok. Angle 90 degrés entraîne un renversement. Possibilité d'étourdissement de l'adversaire. Entraîne le renversement pour amplifier le signe. Maintenez le bouton droit. Bon, c'est pas que je veux pas mettre dedans, mais j'utilise quasiment jamais les signes. Ouf. Je vais pas spécialement mettre dedans pour l'instant. J'aimerais bien mettre dans glaive d'argent, mais je n'ai pas raison encore. 4 C4. Qu'est-ce qu'on a de beau? Du saignement, plus de dégâts. Ah oui, mais que quand on est à Bavi. Saignement, plus de dégâts. Peut-être plus de dégâts pour le coup puissant. Plus de dégâts. Douleur, douleur. On va mettre encore plus de dégâts, je pense, dans le rapide. Et dans le groupe, j'avais déjà les deux dégâts. Fonctionne cœur, ce que oui, d'accord. Plus de renversement. Frappe de précision. Peut-être dans la force. Plus de dégâts lorsqu'il a pas beaucoup de vie. Parade. Régénération de vie par seconde. Ça, je l'ai déjà pris. Et de... oui. Que de minuit à l'aube, que quand il y a des monstres, plus d'attaque, plus d'esquive. Ça peut être ça, c'est marrant. Le personnage est capable de faire dévier les flèches, plus de parade. Durée d'intoxication par l'alcool. Ça, c'est bof. Permet d'utiliser les cidres 2 fois par jour, résistance au poison, plus 50%. Génération de l'endurance plus 25%. Je l'ai déjà ça. Okay. Je sais pas quoi mettre. Plus de parade peut-être en vrai. Peut-être que c'est sympa. Ouais, un peu plus de parade. Ça roule. Bon. C'est la pleine lune là, c'est chiant quand même. Là, c'est bientôt le jour. Il y a plein de monstres dehors. Ça fait chier. On va dormir un petit peu, je pense.
Allez. C'est parti. Bon, ça va mieux. On est plus bourré, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, j'ai eu un bouquin. Note de Berengar sur la bête, article de quête. Ce document a été écrit en hâte, probablement alors qu'il se préparait à affronter le Cerbère. Puis sur le bouton droit, la souris pour le lire. Forte résistance aussi. La bête posera une question, ceux qui répondront correctement auront une chance de la terrasser. Ok. En à peine 4 nuits, en fait, elle grandit grave, elle devient plus forte, plus résistante et quasi imbattable. Ok, c'est fou. D'accord. Ok. Bon. Non. Ça donne quoi du coup? Les quêtes. Je te demande si elle est révérend. Ok. Donc révérend. Visima, je peux pas encore. Ça sera Visima aussi, je pense. Plus tard. Je regarde de plus en plus au poker, j'ai battu 3 joueurs, j'aimerais maintenant voir comment jouent les vrais professionnels. Sûrement à Visima aussi, je pense. Visima. C'est un monde, allez-vous les trouver. Pareil, ce sera sûrement à Visima, je pense. Tu vas parler au révérend. Révérend. Je pense à oui, je me demande si je peux gagner de l'argent. Pareil, ça sera visiblement, je pense. Bon, bah pour l'instant, j'ai l'impression que c'est full révérend. Ensuite, j'espère pouvoir enfin rentrer dans le visiblement, je pense. J'ai pas été là. Il n'y a aucune indication. Mais j'ai pas été là. Peut-être que je vais aller là. Et ensuite, aller voir le révérend, je pense. J'espère que j'ai assez passé la nuit. J'ai pas l'impression, en effet. Oh, il va se transformer. Vous la sentez la sauvegarde là? Parce que lui, il va se transformer en la bête, hein, je pense. Je me trompe peut-être, mais je sens un truc bizarre. Je jurerais que ce chien cherche quelque chose. Ouais, attention vu, ouais. À ces épines d'équinope, petit. Qu'est-ce que tu gardes? Et pourquoi la poussière de fée? Attention à ces... Qu'est-ce que tu gardes? Bon bah alors excuse-moi mais je veux bien t'aider mais là j'ai pas d'idée en fait. Qu'est-ce que tu gardes dans sa niche peut-être? C'est pas du tout ce qu'il faut faire. En effet c'est suspect, il se passe quelque chose. Il faut pas que je le tue quand même. Il y a l'icône de l'épée. Je voulais pas faire ça. Et c'est parce que voilà. Je sais pas.
qu'est-ce que tu gardes? Il y a une énigme là. Il faut m'aider là. Je sais pas, j'ai pas un nono à lui filer. Je sais pas. Je jurerais que ce chien cherche quelque chose. Attention à ces épines d'équinope, petit. Qu'est-ce que tu gardes? Je ne sais pas. Malheureusement... Malheureusement, je crois que je ne saurais pas. C'est pas grave. Ah! Oui, bah, comme les autres apparitions de Dieu, quoi. Tu fais tout bien, hein. Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû laisser la nuit. Ce serait peut-être passé des trucs. Et là, la bête est venue te rendre visite ou pas spécialement? Non. Attention, qu'est-ce que tu gagnes? Non, pas spécialement. Okay. Je ne sais pas, il se passe des choses. Hein. Entre loups, ça communique, voilà, ça se dit des trucs, mais et nous, on a toujours un peu de mal. Hein. Chacha, qu'est-ce que... Ah. Drôle de truc comme un tic-tac d'un pendulier, je ne sais pas. Il se passe des drôles de choses dans le show. Alors, tout droit là-bas. Abandonné. Je n'ai plus trop souvenir, mais je crois que j'avais fait toutes les maisons, il me semble. Ah, lui, ça fait longtemps que je n'ai pas été loin. Et je me souviens plus ce qu'il voulait. Ce qu'il fait. Salut, toi. Salutations. Ah non. Bon. Adieu. Alors, par contre, c'est ce que j'ai fait les maisons. J'ai fait un truc que le tour n'a pas été pris. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Un nœud d'argent et de rubis. D'accord. Et full son. Pauvre gars, il était riche. Verrouillé. Ah d'accord. Voilà. Il se passe des trucs ici. Chemin de la grotte. Tiens, enfin grotte. Grotte. Ok. Cadavre. Purée, il se passe des trucs ici, hein, moi je dis. Voilà. Tulipe. Des sous, full sous.
Et pauvre, il avait des slips. Ok. Je pense que le coin ça craint un peu. Plus si d'énergie ici. Ce bruit. Là, je suis un peu en panique. Hein. Il se passe des choses. Un peu flippé. Hein. Oh, un nouveau signe. Bon, on va bien venir. D'accord. Ah non, c'est déjà celui que j'avais, mais ça m'a donné le buff, donc je suppose qu'il va falloir que j'utilise ça. Okay. J'ai bientôt plus d'élixir des rondelles, il va falloir que je fasse des élixirs prochainement. J'ai full compo, full truc là. Ok. On va voir ce qui se passe là-dedans. Hein. Dommage que j'ai pas de quête pour y aller, mais c'est pas grave. Ah, j'aurais peut-être dû mettre du truc à aiguiser sur mon arme. J'en ai encore ou pas? Non. Hop. C'est parti. Rien d'autre pour l'instant à part l'élixir inconnu, mais bon, j'ai un peu peur. Voilà. Il y a des choses. Il y a des choses. Non. Allô? Il y a quelqu'un? Oh, la musique pas sérieuse du tout. Feu de camp. Allô? Il y a quelqu'un? Champion? Possible. Oh, attends. Un nouveau compo. Ok. C'est quoi ce bruit? Corridor. Ah. En fait. D'accord. Bon, il y a un moment où on va bien pouvoir péter tout ça, je pense. Et j'ai pas l'impression que ce soit maintenant. Cette grotte t'a pas l'air de servir à grand chose du coup. Ok. Elle est lendue. Peut-être que la nuit il y a des monstres ici. Mais qu'en journée il n'y en a pas. Hein. Je ne sais pas. Bon. Bah, du coup, pas très intéressant. C'est pas grave, c'est pas grave. Cercle des éléments. C'est pas grave, on va retourner le voir, le révérend. Notre fameux ami. Olé! Ah non, c'est les pigeons, mais les éléments. Alors,
j'avoue que les pigeons font un peu flipper dans le jeu. Bizarre cette maison fermée. Abigail vend des onguents contre les cette souris. Sorcière lubrique. Elle a jeté son dévolu sur moi. Chaud. Mon petit-fils se meurt de la peste. Le prendrez-vous en pitié? À quoi pensez-vous? La mouette immaculée soulage les souffrances, non? Je veux une mort douce pour mon petit-fils. Je sais pas si j'ai de la mouette immaculée dans mes lames. J'ai que de la mouette blanche. Même faut que j'aille faire des machins. J'ai pas un cocotte. Je ne suis pas encore complètement aveugle. Il y en a de combien de formules d'élixir composées à partir de 13 ans. Consommer l'élixir pour un talent argent. Oh yes! Je veux faire cet élixir. Il me faut en fait un feu de camp pour faire des potions. J'envoie toutes les deux secondes des feux de camp, il y a bien un, pas du tout. Et je peux pas rentrer chez toi là? Cette sorcière lubrique, elle a jeté son dévolu sur moi. Est-ce que je peux me reposer si... Un vrai plaisir. À bientôt, j'espère. J'ai pas l'impression. Cette sorcière lubrique, elle a jeté son dévolu sur moi. C'est l'heure de faire ma vache. C'est ici, faut, je m'en rappelle. Je vais pas m'en rappeler. Puis là-bas, il n'y a pas de feu de camp non plus, il n'y a que le réveil. Enfin, je me rappelle qu'il faudrait que je revienne pour la mamie. Faut que j'aille fabriquer plein de potions. Abigail vend des onguents contre les furons. Je t'avais pris pour un bandit. Cette sorcière lubrique, elle a jeté son dévolu sur moi. Ah bon. J'irai peut-être pas avoir retrouver mon beau-frère qui est briquetier dans les marais. Ah, j'ai les couronnes plantes, oui. On maintient l'ordre. On est la milice du village. J'ai trouvé un corps mutilé au grand carrefour. Les hommes près du temple parlaient de vous. Pourquoi me fichez-vous? La peste infecte encore les maisons. Oui. Autrefois, les gens appréciaient les fleurs. De nos jours, je suis la dernière à cultiver des tulipes. Tu veux des tulipes, j'en suis sûre. Jolie fleur. Vous méritez plusieurs tulipes. Merci. Attendez. Les gens au lézard de feu ont demandé après vous. Ils ont dit qu'ils vous auraient tôt ou tard. L'emblème de la salamandre. Je les attends de pied ferme. Ah bah j'aurais pas vous pensé... Vous enlevez des enfants pour en faire des sorceleurs. Reine Brock, elle me renseigne sur... Autrefois, les... J'ai vu de nombreuses... Oh, apportez-moi un petit bouquet de fleurs sauvages. Je vous donnerai des tulipes en échange. Je tâcherai d'y penser. Autrefois... Elle veut des fleurs sauvages peut-être? Parce que là, elle m'a donné des tulipes en échange de tulipes. Elle veut des... Tu veux des marguerites? Jolie fleur! Vous méritez plusieurs tulipes. Merci. D'accord. Bon. J'ai perdu mes marguerites. Elle me donne des tulipes. Ok. Je devrais essayer ça. Vraiment? Non, c'est impardonnable.
La paix te viendra. Qu'est-ce que tu racontes, toi? La neuf. La bouffe. Monstre ou pas, tu pourrais te rendre utile. Yo, on a plein de trucs. Parlez. Les monstres de Odo et de Haren ne sont plus. Et pour Mikul, j'ai chassé les ghouls de la crypte. Seriez-vous donc de taille à vaincre la salamandre? Je dois d'abord savoir où se trouve leur repère. Je ne vous dirai rien tant que vous n'aurez éliminé la bête. Je sais d'où est venue la bête. A-t-elle été invoquée par la sorcière? C'est le vice des hommes qui l'a engendrée. Pour tuer la bête, je dois d'abord démasquer les coupables. Vous avez peut-être raison. Lorsque les brebis s'égarent, le berger doit les ramener dans le droit chemin, ou alors elles sont dévorées par les loups. Je vais réunir les villageois et tâcher d'apprendre tout ce que je peux pour vaincre la bête. Voici votre récompense, sorceleur. 200 orins. J'ai fait ce qui m'était demandé. Vraiment, il paye grave bien. Où se trouve le repère de la salamandre? Allez à la taverne. Des gredins au service de la salamandre s'y sont installés. Ils se cachent dans la vieille demeure du tavernier. Olaf aura la clé. Et sorceleur? Oui? Non, rien. Puisse le feu éternel briller sur votre âme. Dites aux villageois de rester cloîtrés chez eux. Je ne veux pas te blesser. Ok. Je dois régler le problème de la bête avant d'aller voir la salamandre. Étant m'occuper de la salamandre, j'ai encore des tâches à accomplir. Parlez! Je voudrais enterrer un homme dans la crypte près de l'église. Je vous suis reconnaissant d'avoir allumé le feu éternel. Alors c'est d'accord. Dans la crypte gîte un sarcophage usé par le temps. Usé par le temps? Vous préférez creuser un trou? Le sarcophage fera l'affaire. Ok, mais je peux pas dormir, c'est chaud. Adieu. Ça doit être que quand je suis chez lui, encore. Pas sûr que si je vais chez lui, je puisse dormir. Mais... Ouais, j'ai 2 secondes. Sur l'hôtel. Énorme. Ok, c'est un peu suspect, mais bon. Voilà. Vous vous souvenez de moi? Vous m'avez pourchassé, vous et votre meute fantôme. Je vous chasse encore, bien que le mot soit peu approprié. Pourquoi? Je veille à l'accomplissement du destin. Quel est mon destin? Le destin est un glaive à double tranchant. Vous êtes l'un de ces tranchants, et l'autre est...
Je vais pas... Dites ce que vous avez à dire ou disparaissez. Si je ne vous connaissais pas, je dirais que cette arrogance masque vos peurs. C'est possible. Je serai constamment sur vos traces. Endrian va, sauve les hauts-tavelets. D'accord. Vous vous moquez du destin. C'est un glaive à double tranchant. Vous êtes l'un des tranchants et l'autre est... La mort ? C'est Léo ? Non. C'est nous qui mourrons à cause de vous. La mort vous suit. Elle marche dans vos pas. Mais les autres meurent. À cause de vous. Oh mon dieu, c'est choquant. Que... Oh, oh ! Sérieusement, là ? Et je pense que j'ai pas pris la bonne réponse. Oh, Léo ! Oh là là, ça va prendre une sorte de pirate. C'est ta faute aussi. Ah, oh, une météorite. Ok. Ah bah si je m'attendais à ça. Non, je... je m'attendais pas à ça. D'accord. Pauvre. Bon, je suppose que j'ai pas eu la bonne réponse. C'est qu'en fonction de la réponse qu'on choisit, il se passe autre chose. Pourquoi j'ai eu Léo? Super. D'accord. Ok. Vraiment navré, mon pote. Désolé. Je me demande vraiment ce qui se serait passé si j'avais pas... Si j'avais été tué l'épouvanteur au début. Est-ce qu'on aurait eu une autre perte? Est-ce qu'on aurait vu, là, cette fois-là? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Parlez! Rien. Adieu. Je voulais faire des potions chez toi. Je voulais m'entraîner chez toi. C'est chiant. J'ai pas le droit, apparemment. C'est un peu chiant, mais bon. Je dois me rendre à la taverne. Salamandre, mais pas tout de suite, je crois. Ils ont dit. Ah, il faut que je m'occupe de la bête avant la salamandre, je crois, mais... Mais comment... Ah, faut que j'aille à la taverne en premier, je crois. Il me semble que c'est tout, oui. Oui, et puis il faut que j'aille voir lui. Ça marche. Alors, la taverne, c'est comme à l'autre bout, mais bon. Séparé, parti, Paris. Oh, ces pigeons là, ils font trop. Le bruit est trop bizarre en fait. C'est surprenant. Parce que mamie elle voulait, mais bon. Encore une fois, il faudrait que je repense à retourner la voir, ça va être chiant. J'ai jamais m'en rappeler. Bière de la salamandre. Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui fallait pas, je trouve tout de suite, hein, tout coup. C'est pas grave. C'est pareil. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Où est ta contribution? Quelle contribution? Les gosses abrutis. Laissez-moi passer. Sans contribution, personne passe. Ça ne mène nulle part. Ouais. On va voir.
Moi les salamandres leur coupent leur queue et ça repousse pas. Bon. Bah, bah. Oh, tu vas voir. Tu vas être le même sort que ton pote. Oh, bah, 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 bah. Fais des enchaînements, trop stylé. Des sous. Une hache. Des sauts et une glaive. Mais du coup, on était où là? Devant lequel? D'accord, ok. Et il y a quoi dans ces maisons? Ah, mais bonjour! Ah, excusez-moi, je suis. Ah, une petite hirondelle parce que là, ça fait mal. J'étais pas prête. Allez, c'est parti. Vas-y, bousillez tous. Bon! J'avoue, j'ai l'impression que je vais me t'as pas surpris 30 fois. Hein? Et le chef, tu vois ce que je te dis? Le chef, dégâts infligés par vos ennemis font baisser vos points de vie. Ouais, ce que je vois. Si la jauge rouge se vide entièrement, le garante meurt. Et quand on crie et le pat de mon cœur prononcé dans la même zone, c'est un nombre de points de vie très bas pour qu'il y ait une section et des épées comme un mec. Ouais, ouais. Ah, ah d'accord. Bon, moi, je suis pas du ça. C'est première mort, ça fait pas plaisir. Ouais, c'est pas Jojo. Ouais, le chef fait bien mal. Purée. J'ai boire mis un purée d'élixir. Je sais pas si je peux les améliorer, mes élixirs du journal, mais ils sont vraiment un peu nazes. Ah, j'ai sauvegardé avant, je croyais que j'ai sauvegardé devant la porte. Bon, c'est pas trop grave. Considérablement, c'est un peu. Oh. J'ai rien de plus pour. Monter la visée. Son endurance, on s'en fout. Bah non, j'ai pas l'impression. Enfin, juste que je le mette un peu plus tôt, je pense. Bon. On va faire ça un peu mieux hein, parce que on va essayer de s'améliorer un peu parce que c'était pas Jojo. Mais j'avoue qu'il fout des purées de patates. Où est ta contribution? Quelle contribution? Les gars, laissez-moi. Sans ça ne met. Allez, cette fois-ci, c'est pas la même. Bah c'est vraiment très long, je trouve, à remonter, c'est impressionnant. Dans le doute, on va se faire une petite sauvegarde là, même si je suis sûr que ça va très bien se passer. Allez. Salut les gars. Alors. Et les gars. Allez, on enchaîne. Tout le monde. Allez, tu vas voir ce que tu vas voir, tu me fais pas peur. Oh, il fait vraiment mal en vrai. Oh, grave de... des petits coups, on dirait qu'ils sont nazes. En vrai, ils défoncent quand même. Le chef. Je suis un peu mieux pris que tout à l'heure, j'étais moins surprise déjà. Je sais pas me faire surprendre à ce point là. Alors
ça me trappe. Je vais tous vous défoncer en fait. C'est le repère, c'est ça? On dirait les caisses d'arène que j'ai sauvées des noyeurs. Ce salaud traite avec la salamandre. Ah merde. Je me serais vraiment fait avoir à ce point-là. C'est fermé. Avec la... ah, oui. C'est fermé. De quoi, y a pas une clé quelque part? Petite hache. Ok. Donc, je suppose qu'il y aura un jour de tourne voir Arène, hein, pour régler un peu tout ça. Chasseur du roi, que tu fous là? Pourquoi t'es si avancé? Salut! Non. Bon. Adieu. Rien de spécial. D'accord. Jamais beau dans le jeu, hein. J'ai l'impression qu'il pleut tous les jours, hein, purée. Tout le monde va être caché encore, hein, je parie. Y'a personne. Y'a strictement personne. Ah, il se passe des trucs là. Hein. Je vais pas dire, mais fauteur de troupe, ouais, d'accord. Laissez-moi! Tu peux roucouler mieux que ça. Ne me touchez pas! Et fougueuse avec ça. Et si on lui montrait ce qu'on a fait à Ilsa, la coquine de Mikul? Quelle hurleuse, celle-là. Encore un nouveau? Il a dû te dire de l'attendre ici, comme nous. Allez, on va rigoler avec cette petite poule. Cette dame est sous ma protection. Vous ne la toucherez pas. Tu peux pas nous arrêter. Vraiment? Tu vas regretter ça! Ah ouais, ouais, ouais. C'est vous qui avez... Je vais tous vous exploser. On touche pas les dames, ok. Espèce de salaud. Ah, raté. C'est pas grave. Ouais, je vois. C'est bon, on a fini avec vous. Tu es arrivé juste à temps. Ça va? Oui. Ils m'ont eu par surprise et ont tué le tavernier. Ils ne t'offriront plus aucun mal. Je pars pour Vizima. J'espère t'y retrouver. Je vais t'accompagner. Je t'attendrai ici pendant que tu t'occupes de la salamandre. Pense à moi et frappe encore plus fort. Je reviendrai pour toi, Jani. Je t'attends ici. Le tavernier. Comment ça, ils l'ont tué, le pauvre? Je vais fouiller ses poches. Ah, si même lui le dit. Énorme. Il y a une tête qui a été coupée, là. Je suis navré. J'ai trouvé la clé du repère de la salamandre. Une massue, on s'en fout. Une hache, une dague, on s'en fout. Attends, la taverne, elle est vide. Oui, j'avais bien cru qu'il y avait du monde. Ah, oh, la clé. Pourquoi c'est lui qui l'avait? D'accord. Et comment je vais faire, moi, pour faire mes potions, me reposer et tout? Oh, j'en ai marre.
Personne ne veut que je me repose. Kestal, j'ai ça. Je t'attendrai ici. Ouais, bah en même temps, pas grand chose d'autre à faire, j'ai l'impression. Oh, y'a personne, quoi. Abusé, je peux plus accéder à mon coffre. T'as comme par hasard, j'ai été récupérer mes trucs que j'avais. C'était vraiment pas du tout prévu, quoi. Bon, je sais pas trop où tout le monde est passé. J'aimerais bien retrouver la taverne comme elle était avant. Mais bon. Y'a plus personne. J'ai l'impression que tout le monde est trop mal à s'abuser. C'est vraiment ça fait quoi? Y'a du monde ou pas? Oh, y'a personne. Oh, le silence, quoi. Oh, mais tout a été dévasté. Abusé. Bon. Cacahuète, y'a plus personne dans ce village, purée. Bon, bah, on va se la faire à l'ancienne, hein. Allez, quelques petits flacons. Tranquillou. D'accord, maintenant je peux faire les huiles, en effet. L'huile contre les spectres qui augmente la guide d'Again géospectre. Et l'huile de Crimson. Ok. Alors, mamie, elle voulait la mouette. Pas blanche, mais de la mouette d'autre chose. Et moi j'ai que hein, de la mode blanche, ce qui me semblait. Ouais. Je vais faire de l'hirondelle parce que j'en ai grave besoin. J'en ai plus du tout et. J'espère que je peux en faire beaucoup. Mais sinon j'aurais bien aimé faire un des deux là, mais apparemment j'ai pas cet ingrédient là. Bah, peut-être que je refasse un chat si je retourne dans des grottes, ça peut servir peut-être au moins une fois de temps en temps. Chahuant pour l'endurance. Bizarre, j'en ai plus, je crois. Bizarre, c'est bien. J'aime bien. Ouais, ça peut servir. Ok. J'ai plus assez pour l'hirondelle. J'en ai fait 3. C'est pas ouf, mais bon. Un petit chahuant, peut-être. Il faut des noyaux. Okay. Ah je crois qu'en fait là en fait j'ai plus, je crois ce qui me manque c'est ouais c'est ça. Tout simplement c'est genre de l'alcool en fait. Ouais. Il y a un peu d'huile contre les charognards. J'ai pas mal de graisse, enfin de cendre. Peut servir. Comme ça, j'évite mes emplacements, c'est pas mal. Enfin, que je rattrape des élixirs là. Ok, ok. Bon, et ben, on va dormir un petit peu. Ou à peine, petite sieste, je pense. Mais j'ai pas de point. Voilà, voilà. Et puis papa va dormir un petit poil. Puis ça nous fait une bonne petite vidéo là, c'était bien sympa. On va s'arrêter là nous. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Petit pouce en l'air, la cloche, ta 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 ta. Et des gros bisous à tout le monde. Allez, bye bye.